Donc c'est un gala. Traditionnellement, tous les hivers, pendant les vacances, on propose aux touristes donc, des galas. Cette année, on a voulu essayer de mettre un événement un peu plus important en place, donc avec des stars, champions d'Europe, champions du monde et sextuple champions de France comme Isabelle et Olivier. Aujourd'hui, on est sur une organisation du club de danse, c'est-à-dire un des clubs qui habite dans cette patinoire. C'est une belle démonstration et c'est aussi une belle vitrine pour la danse sur glace et pour une station comme Saint-Gervais qui a vécu et qui vit toujours dans cette patinoire, une patinoire qui a été rénovée il y a 5 ans. Nationale, plus un bon petit groupe en compétition régionale avec du potentiel dans les deux. Donc ça c'est super, ils ont vraiment bien progressé. Il y a vraiment de l'émulation parce que bah, du coup il y a un bon petit groupe de compétiteurs. Mais vraiment un point sur les futurs jeunes talents, les futurs médaillés des prochaines années en fait. Donc, le but nous c'est vraiment de la construction, on mise sur les jeunes qu'on a ici, sur les jeunes qu'on peut encore recruter. Le projet c'est d'amener les couples qu'ils le peuvent et qu'ils le veulent au niveau international. Les retombées pour un club, c'est de faire aimer la discipline. C'est aussi Saint-Gervais est une station, c'est le Mont-Blanc, c'est une station de sport d'hiver, une station thermale. Et donc c'est aussi permettre à nos touristes de découvrir un sport qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de découvrir chez eux parce qu'il n'y a pas des patinoires dans toutes les villes de France. Tout le monde y met de sa patte et ça fait un club qui bouge vraiment et qui est vraiment sympa. Il y a de la vie en fait, il y a de la vie.